tout le monde, bienvenue à l'heure de la lecture. Ce soir, on va lire un livre qui s'appelle La petite goutte de pluie. Et c'est une belle histoire pour découvrir le cycle naturel de l'eau. Alors, on y va. La petite goutte de pluie. J'ai grandi dans un nuage, avec des milliers d'autres gouttelettes. Un jour, le vent s'est mis à souffler. Il faisait froid et nous étions de plus en plus lourds. « Allez, petite goutte, venez avec moi, » disait le vent. « Vous avez plein de travail à faire sur la terre. » Tout à coup, un éclair a traversé le ciel. « Allez, on y va !» ont crié les plus grosses gouttes. Et hop, elles ont sauté et je les suivis. « Amusez-vous bien, » dit le nuage, « et revenez bientôt. » Nous avons glissé dans l'air. En riant et en chantant « Youpi !» Le sol nous attirait et le vent nous faisait danser. La terre se rapprochait de plus en plus vite. Entre les rayons du soleil, nous avons surfé sur l'arc-en-ciel. Tout à coup, j'ai atterri en faisant « splash !» et j'ai rebondi sur la queue d'un chat tout mouillé. Je me suis infiltrée dans le sol. J'ai croisé des vers de terre qui se dandinaient. J'observais une taupe qui creusait sa galerie. Gloup! Quand, sans prévenir, la racine d'une fleur m'a absorbée. Lentement, je suis remontée dans la tige, comme aspirée avec une paille. « Bonjour, » a dit le bouton de fleur. « Je vous attendais pour éclorer. »« Venez par ici, » a-t-il ajouté en déployant ses pétales. J'étais tout étonnée de retrouver mes amis. Bien installés sur la fleur, nous avons passé la journée à jouer et à bavarder. Quand la nuit est tombée, nous avons essayé de compter les étoiles, mais les pétales étaient si confortables que nous nous sommes vite endormis. À notre réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il faisait chaud. Nous nous sentions un peu bizarres, comme plus légers. Sous la chaleur du soleil, nous étions en train de nous évaporer. Lentement, nous nous sommes élevés dans les airs. Impossible de résister. Inquiète, j'ai demandé à mes amies ce qui se passait. En riant, elles m'ont dit, « C'est ton premier voyage. » Nous retournons dans le nuage. « Bienvenue à la maison, » dit le nuage. « J'espère que vous êtes bien amusés. Il fait chaud. Profitez-en pour vous reposer. » Bientôt, le vent nous transportera vers de l'air froid et vous deviendrez de grosses gouttes de pluie. La fin. J'espère que vous avez aimé ce livre ce soir, cette histoire. Je vous souhaite une belle soirée et on vous voit demain pour Storytime with Miriam, mercredi. Bonne nuit tout le monde!